Hello les filles, c'est Cathy, je suis super contente de vous retrouver en vidéo. Et si vous m'avez suivi sur Snapchat, vous savez que j'ai passé mon week-end à Londres chez Cindy, donc du coup on a profité pour filmer cette vidéo. Vous trouverez tous les liens des articles sous la vidéo ou alors directement sur le blog. D'ailleurs, vendredi c'est Black Friday, alors je vous conseille d'attendre un peu avant de craquer. De toute façon, on va vous préparer un article le jour même avec tous les codes promo et les pièces à ne pas louper. Bon, j'arrête de blablater, c'est parti pour le look. J'ai craqué pour cette veste mango avec des motifs Prince de Galles que j'aime trop parce qu'elle change un peu en fait de celle qu'on a l'habitude de voir parce qu'il y a des petites lignes bleues à l'intérieur. Elle est vraiment trop jolie. D'ailleurs, Cindy, je pense qu'elle va craquer aussi. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, avec le changement de saison, j'ai eu complètement envie de changer ma garde-robe. J'ai eu envie de pulls bien confortables, de petites pièces un peu nouvelles. Et donc, du coup, là, j'ai craqué pour ce pull camel de chez Stradivarius. Ensuite, on passe aux baskets et j'ai complètement craqué pour ces baskets Nike. Je les trouve trop belles, la couleur est également super jolie avec une petite barre en or derrière qui fait la petite finition super jolie. On continue avec ce look qui change de mes habitudes, mais comme je vous l'avais dit, j'avais envie de changement. Donc j'ai craqué pour cet ensemble. Donc déjà, on commence par le haut qui est un haut Zara. Il est vraiment trop joli. En fait, il est vraiment simple, mais c'est les trois petits ronds qui font tout. Les chaussures Mango, à la base, c'était celles de Cindy, mais j'ai fini par les commander aussi. Et ce pantalon de chez Zara, un peu vintage, avec ses petits boutons en taille haute comme ça, je le trouve vraiment trop joli. Et j'ai craqué pour cette montre connectée fossile que j'adore avec un écran numérique. Et du coup, ça me permet de savoir tous mes nombres de pas et recevoir mes notifications directement dessus. Got no way. Though I try, happy songs, shady mind. Et on continue avec le troisième look. Cette fois-ci, j'ai choisi un trench de chez Mango. J'ai complètement flashé dessus quand je l'ai vu sur le site. Ce que j'aime beaucoup sur ce manteau, c'est vraiment l'arrière du manteau. Je trouve qu'il est un peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude et je le trouve vraiment très classe. Baby, I see your shades. I know you're playing games. Looking so cold outside, cause she begging that pain to run away. Baby, you know my name. Yeah, you know who I am. Je porte souvent des couleurs assez sombres, un peu ternes, et donc du coup je voulais quelque chose d'un peu plus peps pour apporter de la couleur à une tenue. Du coup j'ai opté pour ce pull mango qui a une forme un peu chauve-souris et je regrette absolument pas, j'adore sa couleur. Bon, du coup, comme vous l'avez remarqué, j'ai retrouvé Cindy et j'en ai profité pour filmer son tout nouveau manteau qu'elle a acheté chez Mango. Elle a d'ailleurs déjà posté des photos sur Instagram avec et il est juste mais ultra doux. I don't feel like you know me anymore. Like I don't know me anymore. Yeah. Say where's that girl we knew before? Cause we don't see her anymore. Comme je vous l'ai dit, j'avais envie de couleur, du coup j'ai continué dans ma lancée, j'ai chopé ce haut et ce que j'aimais bien c'est qu'il est en bimatière. Devant il est un peu satiné et derrière ça reste un t-shirt classique. When did we get so lost inside ourselves? We used to be strong, now it's like we don't care. Instead we're calling out for help. Don't know where we went wrong, but it's so hard to share. Et on termine avec mon look préféré, ça a été un gros coup de cœur cette tenue, surtout ce pantalon. C'est vraiment le pantalon à paillettes qu'on peut mettre même en dehors des fêtes, vraiment, il faut juste le casser un peu ce côté paillettes avec un pull par exemple plus traditionnel comme j'ai mis là. D'ailleurs le pull c'est l'un des pulls les plus confortables que j'ai pu acheter, il est juste trop bien, c'est pareil, un mango. J'adore les finitions de ce pull aussi, gros coup de cœur vraiment pour cette tenue. Yeah, 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 yeah. J'ai également craqué pour ce poncho que je mets un peu en forme d'écharpe et c'est juste parfait quand il fait super froid. Then why don't we call her?
Et voilà, le haul est déjà terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. En tout cas, j'ai mis tout mon cœur pour que ça vous plaise. Donc, je croise les doigts. Et donc, à vendredi prochain pour notre article sur la Black Friday. Je vous dis à bientôt. Ciao.